Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Random Roguelike, je sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs cette série, c'est que le début. Donc on avait vu qu'on avait créé notre chemin, Create Path, donc c'est très fonctionnel, tout va bien. Donc l'intérêt c'est qu'en fait on peut faire aussi grand qu'on veut. Petit détail, ça à chaque fois je le répète en fait, alors qu'on peut très bien l'externaliser. Je m'en suis aperçu après parce que je l'avais fait rapidement. Tac, on peut très bien le mettre ici, quand même dans le wild. Donc à chaque fois, le path prend le chemin et donc les autres ne sont plus utiles parce qu'en fait il va affecter à chaque fois pause. Donc c'est pas utile de les avoir. On peut le faire ici et on peut le faire là. Tac. On peut le faire aussi puisque de toute façon on aura forcément une condition valide à chaque fois. Puisque on fait un random de 0 à 4 en faisant rendi 5, donc on est forcé de passer par une de ces opérations. Si on avait eu autre chose, il aurait fallu se débrouiller autrement, mais bon, du coup, là ça marche très bien, ça évite un petit peu des lignes. Et là, du coup, après, si vous préférez même simplifier comme ça, sur ce genre de méthodologie-là, vous pouvez aussi, ça vous gagne encore quelques lignes. Bon, c'est pas très. Quand il n'y a qu'une condition comme ça, moi je le fais souvent. Après tout, c'est la ligne, c'est la suite. Donc, on le comprend. Allez, voilà. Donc maintenant, je vais même refermer cette fonction maintenant. On peut très bien ici refermer les fonctions quand on n'en a plus besoin. Celle-ci, elle est faite, elle est créée. Donc, je n'ai plus vraiment à y revenir pour l'instant. Et maintenant, on va commencer à regarder un petit peu la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Maintenant, on a notre chemin. C'est bien beau, vous me direz. Attendez, ce que je vais faire, je vais même agrandir un petit peu. On va mettre un scale. On va mettre un scale de 3 ou les 5. Soyons fous. Scale de 5. Comme ça, on verra un petit peu mieux. Non, 5, c'est peut-être un peu trop. Bon, enfin, on va le mettre comme ça. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que chaque carré noir sera une salle. Donc maintenant, il va falloir créer nos salles. Et créer en fait un espèce de pattern qui va nous faire comprendre que, par exemple, ici, là, c'est une salle où il n'y a pas de sortie sur la droite ni de sortie sur le haut. Celle-ci, il n'y a pas de sortie sur la droite, etc., etc. Donc il va falloir créer un espèce de pattern qui va définir un nombre de types de salles prédéfinis et qu'on va ensuite remplacer par... On va faire dans un nouveau tilemap, c'est un petit peu compliqué. Ce tilemap, en fait, ne sert que de référent. Il ne sera pas visible en jeu, en fait. Bon, je vais peut-être baisser un petit peu. 3, 5, c'est peut-être un peu trop gros. On va mettre 3. Hop. Ça suffira. Voilà, on voit mieux, ça rentre pile poil. Donc, chaque carré noir, en fait, là, correspond à une tuile, en fait, de ce tilemap, mais va correspondre réellement à une pièce, alors là, qui sera vraiment de la taille que vous souhaitez. Vous pouvez faire un truc rectangulaire, carré. On va tout faire pour que, en fait, on se laisse toutes les possibilités possibles à chaque fois. Moi, perso, je vais me simplifier la vie. On va faire des pièces de 10 par 10. C'est beaucoup plus simple. Et donc, on va commencer à créer le pattern ensemble. Tous les patterns possibles et imaginables. Alors, je vais créer une nouvelle scène. Tac. Et là, c'est une simple scène avec un nœud de dés de base. Je vais l'appeler les multi. Donc les multi-rooms en fait, hein, c'est pour expliquer multi-room. Dedans, je vais commencer à créer un tilemap, tac, que je vais appeler grille. Et je vais créer un deuxième tilemap, tac, qui s'appellera TL, parce que je ne suis pas très inspiré. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin aussi de récupérer ce que je vais prendre, je vais récupérer aussi directement notre tilemap, enfin nos tuiles ici. Donc là, je vais faire copier paramètres, je vais dans celle-là, je vais dans la grille, je fais past params, donc je récupère bien tout l'ensemble, mes tailles et tout ça. D'ailleurs, maintenant, il faut que je repasse à 16, 16 aussi pour là. Et idem pour celui-là, je vais aussi lui copier les mêmes paramètres pour l'instant, past params, histoire de tout avoir. Ce qu'on va faire dans la grille, en fait, je les dissocie. Il y en a une qui sert à rien en fait. Elle me sert juste au départ, je pourrais l'enlever après. Elle me sert juste en fait de visualisation d'un emplacement de grille. Alors, par contre, il faut que je repasse à 1, effectivement. Et là aussi, au niveau du scale, parce que du coup, il m'a copié tous les paramètres et même le scale. Voilà.
Donc là, je vais partir de là. Tac, on va faire un. Oula, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur Shift. Tac, on va se faire en fait, on va agrandir un petit peu maintenant. On va se faire un espèce de rectangle. Non, j'aurais pas dû faire comme ça d'ailleurs. Pardon, tac, tac, tac. Je vais pas faire comme ça, je vais commencer à faire des points. On va faire des cases de 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets un point 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets un point 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets un point 11. Comme j'en ai 3, il m'en faut encore 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et encore un autre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je mets un point 11. Voilà, j'ai déjà les verticales. Je peux les tracer en appuyant sur Shift. Je fais des lignes droites. Enfin, je fais des lignes. Après, droite ou pas, c'est vous qui les calez. Hop. Et du coup, j'ai fait celle de gauche. J'aurais pas dû la faire non plus. Puisque je vais avoir besoin des repères. À moins que je le fasse à la fin. Tac. Et tac. Alors, ensuite, là, on va partir directement d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, j'étais juste pile poil. Tac, voilà, je commence à avoir mon quadrillage. Ça, c'est juste pour se repérer en fait. J'en ai même fait un trou, j'en ai pas besoin de temps d'ailleurs. Si, c'est ça. Allez, voilà. Donc maintenant, je peux très bien dessiner mes tuiles comme je veux. Donc là, d'ailleurs, je me suis trompé de calque. C'est pas grave, on inversera le nom après, c'est pas gênant. De toute façon, cette grille, elle disparaîtra. Alors, tac. Maintenant, je vais choisir les cases noires. Je vais réagrandir un petit peu pour meilleure visibilité. Et là, en fait, ce que je vais faire un pattern où chaque tuile sera, enfin, chaque pièce sera différente, en fait. Pourquoi je suis pas calé là? Oh, tiens, je l'ai déplacé. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déplacé un petit peu, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Pourquoi? Position. Ah oui, mais je suis en 17-17 là sur celle-là. 16-16. Voilà, ça ira mieux, je serai calé. Donc, tac, on va agrandir de nouveau. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à partir. On va toujours faire, par exemple, on va faire deux comme ça. On va faire deux comme ça. Ici, pareil, deux comme ça, deux comme ça. Là, maintenant, ici, je vais laisser à chaque fois les ouvertures, en fait. Donc là, maintenant, je peux fermer. Tac, donc cette pièce-là, elle est comme ceci. Celle-ci, elle a trois ouvertures. Comme cela. Ah ben non, là, il faut que je laisse vide. Tac, tac. Ok. Ensuite, celle-ci, comme ça. On va la fermer là. Là. Ici, comme ça. Donc là, en fait, je vais faire un endroit où chaque possibilité sera ouverte, sauf sur les extérieurs, histoire d'avoir mes matérialisations de bord. Donc là, tac. Celle-ci, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et allez, bon, bah, c'est un petit peu long, c'est la partie la plus pénible, mais vous allez voir quand vous l'aurez fait une fois, on pourra très bien le recopier, puisque après tout, la grille qu'on a fait sur le deuxième tilemap, on va pouvoir la déplacer, la récupérer et en faire une autre si on le désire. Là aussi, vous allez voir que je vous expliquerai qu'on peut faire justement pas mal de choses avec ça, puisque je laisse un petit peu toutes les portes ouvertes comme je fais souvent. Je me dis, on peut très bien le réutiliser, on peut en créer d'autres. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ça. Donc c'est là où est tout l'intérêt de ce principe, c'est que vous allez avoir une infinité en fait de possibilités. Et vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, bon, sur cet épisode, on va pas faire grand-chose. On va juste matérialiser le visuel. Tac, tac, tac. Je pense que c'est bon pour ça. Là, je n'ai pas dû me tromper. Donc là, j'ouvre ici, j'ouvre ici, j'ouvre ici. Donc là, on peut cacher le blanc, histoire de mieux y voir. Voilà, c'est un petit peu plus visible comme ça. Donc là, ça a l'air bon. Ensuite, il me reste, je vais en faire deux autres. Je vais faire celle-ci comme ça. Faut que je regarde par rapport à mon projet. Oui,
que je me cale quand même par... Oups, que j'ai fait. Que je me cale par rapport à mon projet que j'ai sous les yeux à droite, histoire de bien récupérer les bonnes tuiles au bon endroit. Tac, tac, tac. Hop. Donc là, juste une ouverture droite et là une ouverture gauche. Sur celui-ci, je vais faire l'inverse. Enfin, ouverture bas et haut. Tac. Et celui-ci, donc à l'inverse. Donc là, en fait, ce sont deux cul-de-sac. Enfin, quatre, il y a quatre cul-de-sac, en fait. Qui sont ces quatre-là. Et ensuite, il y a ceux qui sont ouverts que en haut, en bas, ou à gauche, à droite. Et là, on a tout récupéré, logiquement. Donc là, c'est l'inverse. C'est comme ceci. Deux, j'ouvre à chaque fois deux. Et comme ça. Voilà, on a récupéré un peu tout l'ensemble. Là, il faut que je cache ma grille parce que je pense que j'en ai qu'un débordé. Voilà. Donc là, tac, je me remets sur celui-là. Hop. Donc, celui-là, je vais le renommer temporairement grille 0. Et celui-là, je vais l'appeler TL pour pouvoir le renommer comme il faut. Voilà. Donc là, je suis bon. Je suis calé sur TL. Donc là, en fait, on a tous les patterns possibles. C'est-à-dire qu'on va être capable maintenant de créer en fait à chaque fois un chemin complètement fermé par rapport à nos tuiles. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein. Ce principe de grille, moi je le conserve, après tout il ne me sert à rien, je le cache. Mais je peux très bien ensuite le déplacer si j'ai envie d'en refaire un. Parce que là vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire maintenant un dictionnaire de ressources. Ce qu'on va faire maintenant, il faut bien lui faire comprendre que chaque pièce a un début. Par exemple, celle-ci, elle attaque, il faut le regarder là, elle attaque ici à 0,0. Cette pièce-là, elle attaque à 11,0. Celle-ci à 22,0, etc., etc. On peut toutes les faire comme ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, cette scène-là, bah déjà, il faut que je l'enregistre parce qu'elle n'est pas enregistrée. Donc, CTRL-S, je l'enregistre dans mes maps, multi, tech. Et maintenant, je vais lui affecter un script, donc que je vais appeler aussi map multi, très bien. Est-ce que j'ai fait un dossier script? Oui, autant s'en servir. Tac et tac. Tout ça, j'en ai pas besoin. Et maintenant, j'ai juste à faire en fait ma liste. Donc var lst est égal. On va lui dire que c'est une ressource, donc un dictionnaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dictionnaire marche toujours en type clé-valeur. C'est-à-dire qu'on passe une clé en début et une valeur juste après. Comme ça, on peut très bien retrouver facilement la valeur en lui donnant la clé. Donc, maintenant, il va falloir les nommer. Et là, pour les nommer, on va utiliser une convention qui sera une convention qu'on va utiliser pour à chaque fois le même type. Sinon, on ne s'y retrouvera pas. C'est pas possible. Il faut toujours qu'on ait la même convention. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit commentaire. C'est-à-dire, on commence à droite, on va dire right. Donc par exemple, si on était sur une horloge, on dirait à 15h. On va même se rajouter ça. Je vais rajouter une autre ligne de commentaire. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et cette convention, il va falloir l'appliquer à chaque fois. C'est-à-dire que pour nommer mon pattern, en fait, si je regarde, la première tuile qui sera placée à 0,0, je vais l'appeler RD, write down. Après, libre à vous d'utiliser ce qui vous intéresse, si vous préférez le faire en français. Donc, DB, par exemple, pour celle-ci. Ensuite, celle-ci, ce sera DB gauche, DBG, si c'est en français. Moi, je vais le faire en anglais. Donc, on va commencer à la nommer en tant que string. Donc, la première, hop, RD, et après, une valeur. Donc, on va lui dire, toi, tu es en... vecteur, enfin ta valeur, pardon, c'est pas égal, c'est deux points. La valeur que je vais t'attribuer, c'est vecteur 2, 2, 0, 0 pour celle-ci. Et là, je mets une virgule pour dire que c'est le premier élément de la liste.
et je vais faire ça ainsi de suite pour tous les éléments. Par contre, là encore, on va se laisser encore une possibilité de plus. C'est-à-dire que rien ne m'empêcherait d'avoir des variantes. Alors, qu'est-ce que je peux appeler des variantes? C'est en fait, si je déplace ma grille ici, je pourrais très bien en faire un autre, ce pattern-là, le faire un petit peu plus bas, pour faire un autre pattern. Pour l'instant, vous ne comprenez peut-être pas de quoi je veux parler. Mais par exemple, ça va nous matérialiser les bords de mur. Donc en fait, je pourrais très bien dire, bah, par exemple, si je fais un jeu de plateforme, pour aller de là à là-haut, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut sauter très haut. Donc je pourrais peut-être prévoir, je sais pas moi, un petit mur comme ça, en plus, qui sera, là si mon bonhomme est là, je peux sauter là et ensuite je peux sauter là-haut. Mais on pourrait très bien faire des variantes où dans une autre pièce, si je refais le même ici plus bas, je pourrais très bien avoir ce type-là, je dis n'importe quoi, hein, ce type-là, tac, avec ici une ouverture, donc je monte là, je monte là, je monte là. Voilà, vous comprenez un petit peu que finalement toutes les variantes seront possibles. Donc c'est pour ça que je vais me prévoir, je vais mettre un tiret, et ça c'est la première variante, on va dire. Donc pour l'instant j'en fais qu'une. Je verrai peut-être après hors cam, j'en ferai peut-être une deuxième, mais bon. Allez, pour simplifier, parce qu'on ne va pas tous retaper, donc normalement il y en a 15, si je ne dis pas de bêtises, 5 x 3, 15, il y a 15 tuiles possibles. Et donc bah après il faut récupérer tout l'ensemble. Ce que je vais faire moi, hop, comme je me suis calé par rapport à ce que j'avais déjà fait précédemment, ça sera plus simple, je vais le recopier ici. Donc là c'est pas compliqué, RD1, RDL, là à chaque fois on décale, 22, 23. Donc ça c'est tous ceux qui sont en fait dans le carré de gauche. Alors là j'ai un petit décalage, ça doit venir que mes ressources... Je ne l'ai pas réimporté, si pourtant, alors je ne sais pas pourquoi, ça me fait un petit décalage comme ça, de temps en temps. Si pourtant je l'avais réimporté. Donc ça, ce sont toutes celles qui sont sur la gauche, les 9 carrés de gauche. Ensuite, j'ai les 4 qui sont les cul-de-sac, en fait, qui ont, eux, juste une valeur. Et ensuite, j'ai ceux qui sont, donc ces deux-là plus ces deux-là, et il me reste ces deux-là qui sont en fait les up down et enfin down up et right left qu'on retrouve ici, down up et right left. Voilà, donc en fait maintenant j'ai la possibilité de récupérer chacun des emplacements. Donc là c'est pareil, on le voit ici, 11 22, on retourne à 0 mais on décale d'une ligne, tac tac tac, etc etc. Je vous laisserai le regarder, on va l'agrandir un petit peu pour une meilleure visibilité. Et là, ce que je vais faire, je vais juste faire une fonction, maintenant, qui va me retourner le rectangle de la pièce. Parce que là, du coup, j'ai que la position de base. J'ai que cette position-là. Maintenant, moi, je voudrais en fait qu'il me donne tout le rectangle. Donc, en fait, c'est ce que je vais lui demander, ce que je vais lui faire faire. Je vais dire, fais-moi une fonction, enfin, je vais te faire une fonction. GetRect. GetRect. Et là, je vais lui passer en argument le name. Si tu me donnes un nom... toi de salle, je vais te la renvoyer en fait, je vais te renvoyer sa position. Donc en tant que string, et qui renvoie un rect 2. Ok. Donc là, on va définir tout de suite, on va aller chercher directement l'item qui nous intéresse. Donc on va dire var la position, c'est dans la liste, l'item name. C'est-à-dire que si tu me passes le nom, je vais pouvoir te donner, moi, le vecteur correspondant à cette position. C'est vraiment la clé-valeur, c'est vraiment le principe clé-valeur. Si je lui donne RLU1, ici, en tant que string, lui, il va me dire, bah, RLU1, moi, je te renvoie 11.22. Enfin, pose est égal à 11.22. C'est une position en vecteur. Mais ça ne me suffit pas pour un rectangle, puisque pour un rectangle, il faut une position, et puis il faut une taille. Donc là, après, moi, la taille, c'est moi qui vais lui dire. Je vais d'abord définir maintenant mon rectangle qui va devenir la sortie, en fait. Rect, qui est un rect 2D, toujours, rect 2, toujours pareil. Et on va lui dire, ben, rect.position, c'est pose. Tac. Et rect.size, pardon, c'est égal à un nouveau vecteur 2 qui est 10 10 10 10, et j'ai plus qu'à maintenant, là il est toujours pas content parce qu'il me dit il faut que tu me renvoies absolument un vecteur 2 sinon je suis pas content. Donc return rect, voilà,
Donc maintenant, cette fonction-là, j'ai juste à lui dire, je te passe un nom, et tu vas être capable, toi, de me dire quel rectangle est vraiment utilisé pour cette scène-là, pour cette pièce-là. Donc comme je vous ai dit, hein, il n'y a aucune obligation de le faire en 10 par 10. Vous pouvez très bien faire des pièces rectangulaires. Vous pourriez très bien faire des pièces comme ça. Tac, tac. Du moment que vous conservez toujours le même pattern, que chaque pièce est vraiment la même taille, vous pouvez très bien dire, bon, bah, là j'en mets 16, là j'en mets 10. Bon, après j'en fais une avec une ouverture là. Après, à vous de bien caler les ouvertures. Faut pas qu'il y en ait une qui ait les ouvertures ici, et par contre l'autre qui ait les ouvertures là. Parce que sinon, si celle-ci se place à côté, ben, vous pouvez jamais passer là. Donc après, à vous de bien caler au moins un minimum de nomenclature, pour qu'à chaque fois, vous ayez toujours une ouverture possible dans votre pattern. Tac, tac, tac. Mais moi, pour simplifier, vraiment, c'est vraiment juste un test qu'on fait ensemble pour montrer la logique de fonctionnement. On va juste récupérer ça. Voilà. Alors, attendez. Tac, je retourne là-dedans. Maintenant, j'enlève la grille que elle me sert plus à grand-chose. Donc voilà. Bah, là, on a fini. J'enregistre tout ça. Je sauvegarde. Et là, ce qu'on va faire, bah, on va pas le faire tout de suite, parce que là, c'est pareil, l'épisode va être un petit peu trop long, je pense. On va juste commencer à maintenant récupérer dans notre random. On va lui dire maintenant, trouve-moi chaque nom de chaque tuile, en fait. Alors, comment on va faire ça? On va faire une nouvelle fonction maintenant. Au niveau de mon random, je vais faire une nouvelle fonction. Et celle-ci, elle est quand même relativement simple, vous allez voir. C'est somme toute assez simple, ce qu'on va pouvoir faire. On va faire, donc le delta, je peux le laisser en bas. Là, je vais commencer à lui dire, bon ben, maintenant on va construire. Maintenant que j'ai créé le chemin, on va faire un construire, donc fonction, construct, with, avec le chemin, with path. Tac. Donc là, il n'y a pas besoin de paramètres. C'est vraiment un void, hein, on peut le préciser. Là aussi, c'est pareil, je ne le fais pas forcément, mais on peut le préciser, c'est un void. Là aussi, fonction, là, ça renvoie rien. Non, ça renvoie rien, donc là aussi c'est un void. Tac, on pourrait le préciser là. Ça aussi c'est un void. Tac. Voilà. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, on va commencer à dire, bon ben moi, je veux que tu me listes déjà toutes les tuiles noires. Parce qu'en fait, le chemin, c'est les noires. Les blanches, comme je vous avais expliqué, elles sont optionnelles. Elles sont que pour moi, pour visualiser un peu l'ensemble du pattern dans une globalité de pièces. Mais en fait, le blanc est inutile. On pourrait très bien remplacer les cellules par moins 1, c'est-à-dire qu'elles seraient invisibles. Enfin, ce sont des cellules vides. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est les celles qui ont le 1. Donc, on va dire var lst black cell, c'est un array qui est égal à, donc, comment je l'appelais, path, c'est ça, get used cell by id, donc toutes les cellules, fais-moi une liste en fait de toutes les tuiles qui ont l'id 1. Et une fois que je tiens cette liste, eh ben, je dirais, c'est tout simple, j'ai juste à dire un for tile pour chaque tuile en fait, in lst black cell, tac. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? On va lui dire, ben, on va commencer à lui dire var, donc le choix en fait, choice, c'est une string. Et là maintenant, comment je vais pouvoir définir en fait le nom par rapport à la tuile que je vois en fait? Et c'est là où, ben, en fait, on va faire une petite fonction qui est toute bête, vous allez voir, hop. On le fera après. Donc en fait, comment il faut comment je peux le tester en fait, ça? Quand j'ai ça. Là en fait, c'est tout simple, hein. Bon, je vais prendre celle-ci par comme ça. Je vais lui dire, tiens, est-ce que à côté de toi, à côté sur la droite, est-ce que tu as une cellule noire? Non. Là, est-ce que tu as une cellule noire? Oui. Donc là, on va lui dire, tu rajoutes D, donc down, à ton nom, qui est pour l'instant vide. Donc son nom sera D. Après, je vais dire, tu regardes là, et ainsi de suite. Donc là, ton nom à toi, c'est D. Celle-ci, si je prends celle-ci, là, qui est tout au milieu, est-ce que j'ai une cellule sur la droite? Oui. Donc, R, D, L, U. Et ensuite, je vais rajouter, tiret 1.
Voilà, donc là j'aurai cette tuile-là, et à chaque fois ça va fonctionner. Il va prendre en fait toutes les cellules noires et il va les regarder par rapport à toutes celles qui sont contiguës, enfin qui sont à côté. Donc là en fait c'est ce que je vais faire, c'est la fonction que je vais faire. Donc là je vais le mettre plus bas ici. Tac. On va faire une fonction. On va dire check, vérifie les contiguës. Si je te passe la position. Si je te passe moi une position, est-ce que tu es capable de me déterminer le nom d'un élément? Donc, hop, on va lui dire que ça retourne un string, enfin une string. Et maintenant, ben en fait, c'est relativement simple, vous allez voir. On va lui dire if path point getCellV, getCellV. Alors, position. Donc la position que tu me passes toi, plus. Donc là on va commencer, comme on avait dit, on commence toujours par la droite à 15h. Donc vecteur 2, vecteur 2, point right. Donc ça permet de rajouter enfin un vecteur qui fait 1, 0 en tant que côté. Donc là, n'importe quelle position, lui va rajouter 1 sur la droite. Donc là, je vais dire, est-ce que cette tuile, c'est 1? Enfin, est-ce que l'index de la tuile qui est à côté de toi sur la droite, elle est 1? Donc là, suivant le cas, ben je vais dire name plus égal, je rajoute au nom. Oui, pardon, je ne l'ai pas mis ça. Hop, il faut que je le mette là, pardon. On va rajouter var name. On va lui préciser que c'est une string. Et qu'on le démarre avec vide. Pour l'instant, ton nom est vide. Là, on lui précise, le nom est vide. Et là, on va lui rajouter tac R ici. Donc en fait, là, je pars d'un string vide et je lui dis si jamais il y a une cellule sur la droite, tu vas rajouter à ton nom R. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien et il rajoute R s'il y en a. Et là, on va faire exactement la même pour les autres. Tac tac. If tac tac. Donc là, down. On va utiliser le down. Hop, donc là c'est D. Donc vous voyez que c'est relativement simple, il n'y a pas de complexité là-dedans. Down, left, tac, left, et hop, voilà, et hop ici, tac. Et comme vous savez que, donc là il va falloir que je return name. Maintenant, je retourne bien name. Mais là, rappelez-vous que dans notre script multi, on a rajouté à chaque fois plus 1. Donc là, ça va permettre de nous laisser encore la possibilité de dire, bah, un jour, moi, j'aurai d'autres tuiles qui seront juste en dessous, mais qui seront, elles, des tuiles de niveau 2. Donc là, après, je pourrais très bien faire un petit random quelque part. Ça sera pas très compliqué. Mais là, pour l'instant, on va juste dire plus, pour simplifier la vie, plus 1. Donc rajoute-moi name. Et plus 1, enfin concaténez-moi name et plus 1, histoire d'avoir le retour. Et là, ben, on va juste essayer pour cet épisode. Ici, on retourne au niveau du choix et on va lui dire tu es égal à check contiguous de tuile, enfin tile. Ok? Donc là, en fait, chaque fois qu'il va avoir une cellule, donc là, je vérifie la liste, enfin je crée une liste en fait de toutes les cellules noires et pour chaque cellule noire, va me trouver son nom. Et là, on va juste y faire un petit print de choice. Ça doit nous renvoyer le nom de la cellule. Alors, on va tester. Peut-être qu'on va faire un petit peu plus petit. Du coup, je retourne dans mon random. Là, j'ai mis 10 et 20. On va mettre 5 et 5. Ça sera un peu plus petit pour vérifier. Et allez, on lance un petit peu tout ça et on regarde. Donc là, oui, pardon, faut que je lance aussi mon truc maintenant, je l'ai oublié. Donc, construct vuspath, tac, on va copier ça et on va le rajouter dans le ready. Il faut qu'il le crée aussi. Voilà. Allez. Voilà. Et là, maintenant, on peut s'apercevoir qu'on a tous les noms qui ont apparu des scènes. Donc là, par exemple, le premier, il me dit RD1. Zut, du coup, tac, voilà. RD1. Donc là, effectivement, cette cellule-là, il peut aller à droite et en bas.
Celle d'à côté, c'est RU1, donc pas RUDL, oui, j'étais en train de dire, ça fait pas. Down, left, et c'est tout. RU, donc après il descend d'une case, right, up, etc., etc. Donc il a bien trouvé tous les noms maintenant. On a à chaque fois tous les noms. Ce que je vais faire, je vais même rajouter un petit print dessous. On va encore ajouter un petit print, histoire de les dissocier. Tac, on va faire une petite séparation. Comme ça, je pourrais faire des checks à chaque fois pour des patterns un peu plus simples. Hop, non, du coup, c'est pas là que je voulais le mettre. C'est extérieur à la boucle for. Et comme ça, je vais avoir tout l'ensemble. Et quand j'en génère un autre, il va me générer comme ça chaque fois. On a bien vu à chaque fois qu'il me les génère. C'est là et je suis là. Donc là, en fait, on a à chaque fois nos tuiles qui apparaissent. Tac, tac, tac. Donc là, le premier, right down. Là, c'est down left, etc., etc. Et donc maintenant, le prochain épisode, ce qu'on va faire, on va récupérer en fait. Maintenant, on va les connecter tout ça et créer un nouveau tilemap, ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Et c'est là où vous allez voir que finalement, beaucoup de variantes seront possibles. On va pouvoir même partir de plusieurs tilemaps différents, partir de d'autres scènes, on pourrait instancier d'autres scènes qui correspondent en fait. Ça, on pourrait très bien avoir encore d'autres types de patterns qui sont dans des autres scènes. Par exemple, on peut très bien créer une scène, une copie de cette scène qui s'appellerait Multi 2, Multi 3, Multi 4, et on pourrait comme ça lui passer n'importe quoi. Si vous avez des jeux où des fois les murs soient plus larges, ou des fois, après, c'est vraiment libre imagination à vous, mais vous aurez un petit peu toutes les possibilités comme ça pour créer des niveaux assez facilement. Et un petit peu dans tous les sens, comme ça, avec toujours un genre d'entrée-sortie qui permet de faire du top-down, du rogue, qu'est-ce qu'on peut faire, du platformer, on peut faire un petit peu de tout. Voilà. Et bien sûr, sur les amis, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui, ce coup-ci, on va vraiment faire afficher nos tuiles dans un nouveau tilemap. On va aller récupérer toutes les tuiles, et donc là, ça sera un système de double boucle qui est un petit peu spécial et qu'on verra ensemble. Voilà, sur ce les amis, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir rejoindre le Discord. Les coordonnées du Discord seront dans la description avec les assets de ce projet. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il y a juste ce petit truc-là. Mais après, on va mettre un tilemap, on va mettre des tuiles un petit peu et du cosmétique pour faire un petit truc sympa. Voilà, sur ce les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!